Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 166 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à Far Cry 2. On avait fait Far Cry 3 qui est assez récent. On va faire Far Cry 2. J'essayerai peut-être de faire Far Cry 1 plus tard. Et pour l'instant, ben, on va faire Far Cry 2. Alors, Ubisoft te présente Far Cry 2. Déjà, c'est joli l'introduction. Enfin, l'intro. Le menu titre, l'écran titre, on va dire. Appuyez sur une touche pour commencer. Alors. On va regarder les options tout de suite. Oui, c'est à peu près bon. Voilà. On revient. Donc c'est parti. On va faire une nouvelle histoire. Et on va jouer en mode facile. Voilà. On choisit notre personnage. Donc on va prendre... ouais, lui. Et on va y aller. Alors ça charge. Il va sûrement y avoir une introduction sur l'histoire, je vous la laisse comme d'habitude. Je n'ai besoin que 5 minutes. Un petit peu de blabla quand vous vous ennuyez. Au niveau du chargement qui est un petit peu... voilà, c'est parti. Ok, on est parti. Monsieur, désolé pour le retard. Alors, on va à un hôtel à Pala. Je vois bien... toujours un petit problème au niveau de la sensibilité. Je sais pas où c'est que je peux retrouver, c'est pas là-dedans. Divers. Non plus. Est-ce que c'est donc plutôt dans les options de jeu? Voilà, c'est bon. J'ai trouvé la sensibilité qui était un peu trop grosse, voilà. Et on y retourne, retour. Où c'est? Eh ben vous avez de la chance, il y a encore un hôtel ouvert à Pala. Il n'y en aura plus du tout. C'est peut-être bien le dernier avec les piscines. Plein de gens riches. Maintenant, il faut des relations et de l'argent pour se payer. Mais n'importe quoi, je vous jure, maintenant ici c'est l'anarchie. Je lui ai dit que l'avion était parti, mais il ne croit pas. Tout le monde pense que les avions vont revenir, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Regardez-là, c'est la saison sèche, le feu dévore tout. Il se répand comme un virus. Mon frère, il avait une jolie maison avec une grange, une grande tête de bétail. Un homme riche, un peu de brousse a tout détruit. Maintenant, il a quitté le pays. Il reviendra. Radio Libération dit la vérité à ceux qui la cherchent. Et cette vérité, c'est que votre pays a besoin de vous. Prenez garde à la PR. C'est une calamité. Un fléau s'est abattu sur notre magnifique pays. Et il s'appelle... Ils aiment pas trop l'animateur. Peut-être à cause de sa programmation musicale. Allez-vous comme ça? C'est mon passager. Je l'emmène à l'hôtel en ville. Venez de l'aéroport. Oui, monsieur, l'aéroport. Messieurs, vous êtes ici toute la journée, hein? Si vous voulez, au retour, je vous ramènerai de la bière fraîche, d'accord? Ouais. C'est bien, la bière.
Alors dépêche, roule. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Tout à l'heure, monsieur. Étrangers. Sans vous vexer, monsieur. Ces milices, elles sont venues chez nous, elles ont tout pris et il nous reste plus rien. C'est bon, elles se tiennent à l'écart en général. Faut pas vous faire de soucis, c'est que des gamins qui s'amusent. Vous savez comment c'est. Le pays. Faut être fou pour rester ici. Fou, chauffeur de taxi. Ça va? Vous n'avez pas l'air bien. Fatigué? La présence de la cible dans le pays continue d'être une influence déstabilisante. Il est en grande partie responsable de l'entrée récente d'armes dans le pays, en violation avec le programme d'union des signataires. Sa réputation de dangereux marchand d'armes est amplement méritée. Les ordres sont de l'éliminer. Ça n'a pas marché comme il l'espérait. Je respire encore et c'est toi qui as la malaria. Tu pourras leur dire que t'as essayé, mais ça suffira pas, hein. T'es viré, t'as eu ta chance, mais maintenant c'est fini. Et puisque les hommes comme toi travaillent que pour l'argent, t'es plus un problème pour moi. Tu vas devoir trouver autre chose à faire maintenant. Tes anciens clients n'ont pas l'air de comprendre qu'ils peuvent pas me tuer. Tu comprends ce que je dis? Personne peut me tuer. Personne. C'est moi qui décide qui vit ou qui meurt. Moi seul. Tu sais, j'ai lu un livre il y a longtemps. Et j'y pense encore chaque jour. Ça m'aide à comprendre la vie. Le livre parle des hommes, de ce qui les motive. C'est très simple en fait. L'essence la plus intime de l'être est la volonté de puissance. La vie serait vouloir et pouvoir, rien d'autre. Bye bye. C'est parti, on a le contrôle. Donc l'objectif là pour l'instant ça va être de quitter la ville comme ils nous viennent de le marquer. Il y a eu une attaque. Donc je vais sortir je sais pas par où. Toutes les fenêtres sont un peu fermées.
Peut-être la porte. Non. Je vais peut-être monter là, par ici. Voilà. Il faut que j'appuie sur C pour m'accroupir. Voilà. Alors, vous souriez maintenant foncé pour viser et sur le bouton gauche pour tirer. Oui, bon, bah, un peu FPS quoi. Ça change pas tellement hein, des FPS normaux. On reste toujours sur le. J'essaie de récupérer l'arme qu'il y a par terre. Voilà. C'est mieux que mon petit pistolet quand même d'avoir une petite mitraillette là qui les boite bien. Alors par contre je sais pas du tout où sont mes ennemis. Il y en a un là. Je sais pas du tout contre qui je me bats du tout. Du coup est-ce que c'est des mecs ouais. Ouais. On dégomme du mec mais je. Voilà. Allez. Ah non, je me fais tirer dessus, je me fais canarder, ils sont trois sur moi. Allez. Ouais, ils sont morts. Oh mais il y a trop de personnes sur mode facile. Et je me fais canarder par tout le monde quoi. Ils arrivent de tous les côtés les mecs. Et ma vie qui descend. Ah bah non, je suis mort. Voilà, out. Voilà. Ce boulot a pas l'air facile. Donc j'ai le contrôle de mon personnage. Dernière barre, vous êtes. Ouais. Ouais, donc j'appuie. J'appuie parce que j'étais en train de saigner. Voilà, au moins je stabilise mon niveau de vie. Ma barre en bas à gauche symbolise ma vie. Oh putain. Il m'a fait peur lui. Tu me poses un gros problème. Avec qui tu travailles? Ok, une blablate. Donc je crois que tu travailles. Super. Pour j'ai quelques corvées à te faire faire. Allez, vas-y, équipe-toi. J'ai quelques corvées, allez. Il y a des médicaments pour toi. Ah, je peux le prendre ça ou pas? Ah non, c'est pour sauvegarder, c'est bizarre. Bon, on va sauvegarder la partie. Nouvelle sauvegarde, voilà. Non, mais en fait, ouais, non. Moi, c'est vraiment un truc pour sauvegarder. Je pensais que c'était une mallette de soins, mais non. Je dois être un peu bête. Oh, là, il y a de l'arme. Je peux, en plus de votre machette, trois armes différentes, armes secondaires, armes spéciales. Hop là. Ouh, un lance-roquette. Ah non. Je croyais que c'était une sorte de lance-roquette, c'était un poisson qu'il y avait à côté. Voilà, pour prendre les... Un kit médical, appuyez sur E. Mais c'est bizarre, moi j'appuie sur E et ça me fait sauvegarder. Bon, bah, je pensais que c'était ça, le kit médical. Ah, mais non, mais c'est peut-être ça aussi. Voilà. Hop là. Voilà, c'était ça, c'est les seringues. Vous pouvez utiliser les seringues pour utiliser une seringue, voilà. Hop, pour remonter ma vie. D'accord. Okay, voilà, je viens de me piquer avec une seringue, donc ma vie est à fond. C'est le feu, mais c'est annulé maintenant. Ça serait bien si on pouvait guérir avec des seringues. Un chef local. Ça serait plutôt sympathique. J'ai placé tous mes hommes encore valides pour essayer d'empêcher l'APR de récupérer du territoire. Ah, blablabla. Pour commencer, tu vois cette caisse dehors? Tu vas aller la remettre en état. T'as une sacrée tête de loser, toi. Alors tu mets les mains dans le. Il veut déjà remettre la caisse en état. Démarrer ce moteur. Essaie de pas te laisser distraire entre la porte et la voiture. On dirait que tu vas tomber d'une seconde à l'autre. Garde. Voilà, objectif mis à jour. Voilà, il m'ouvre la porte. Donc je vais pouvoir aller voir la voiture, où c'est qu'elle est, ça va être ça là-bas. Putain j'ai une arme de fou. Voilà. Alors la voiture, qu'est-ce qu'elle a? Elle fume un peu sa race, est-ce que je peux appuyer sur E? Ouais. Voilà. Ok,
Ah, donc elle fume plus. Est-ce que je peux monter à l'intérieur? J'ai pas l'air pour voir. Il doit y avoir peut-être une touche pour monter dans les voitures. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, je dois réparer la voiture. Non. Et comment je monte dedans? Y'a rien du tout. Ouais, bon, bah, je sais pas. Je sais pas du tout comment je monte dans ce putain de bagnole de merde. Vas-y! Là, j'appuie à fond sur E et tout. Il se passe rien du tout. Là, la maison, bah, du coup. Elle a fermé la porte, je peux plus rentrer. Une fois que je suis dehors, je peux plus rentrer, c'est n'importe quoi. Là, la mission, c'est toujours de réparer la voiture. Mais elle est réparée puisque je viens d'y mettre un coup de clé dedans. Oula. Tout est flou d'un coup, c'est bizarre. Non mais je l'ai réparé, je peux rien faire d'autre. On va partir à pied. Hein. On va essayer de s'en aller à pied. Allez. Je sais pas si on va croiser des ennemis ou pas. Ça a l'air un peu une grande zone à découvrir. Il y a des traces de pneus par terre. Il y a des panneaux. Ouais. Bon, on va suivre la route. On verra bien si on tombe sur quelque chose. Oula, ça devient tout flou autour de moi. Il y a des moments où tout est flou, c'est bizarre. Quand il est fatigué, peut-être. Allez. On est vraiment dans la cambrousse. Hein. Et que du soleil, de la nature. Et rien à l'horizon. Ah si, il y a un truc là-bas, une sorte de pont. Oula. Voilà, tout devient rouge autour de moi. Jaune. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis encore tourné. Je vais essayer d'aller à l'ombre. Ah bah non. Pouf. Ok, sans aucune raison, je tombe par terre. Malade comme une merde. Allez, ben rien dans la boîte. Voilà. Ouf. D'accord, donc je sais pas ce qui s'est passé. Génial. Et on se refait un chargement. Vous allez voir, je retombe dans la maison. Voilà, j'ai toujours ce truc là. Je sais pas à quoi ça sert. Peu importe. Il y a toujours ça. Hop, on fait le plein de seringues. Et on retourne directement dehors. Donc, quand j'ai besoin de taper le machin, la voiture elle est encore en panne. Regardez, il y a la fumée qui sort. On va essayer de la réparer pour voir si ça marche mieux. Allez, répare-toi, sale voiture. Et j'ai eu un petit accrochage sur ma touche. Voilà. C'est bon, t'es réparé ou t'es pas réparé? Ah, il y a une petite main maintenant. Ah, je peux monter dedans. Ok, alors c'était un mode tout à l'heure, je pouvais pas monter dedans, alors que maintenant je peux, donc voilà, on vient de découvrir en live un bug sur Far Cry 2. Jeu qui est graphiquement bien fait, mais alors le jeu en lui-même, c'est très spécial. Hein. Je préfère Far Cry 3 où vous êtes franchement bien guidé, ou quand même, vous avez quand même de l'exploration, un peu du tout seul, mais vous êtes un peu mieux guidé que là, je sais absolument pas ce que je dois faire, hein. Franchement je suis la route. Alors je suis tombé malade. Je tombe par terre, je recommence. Aucune raison, je sais pas pourquoi. Personne me dit ah non, il faut pas qu'il fasse ça, je sais pas. Est-ce que j'ai pas le droit d'aller trop loin? Ou est-ce que j'ai pas le droit de trop marcher à pied? Donc là on est avec une voiture. Ah, j'essaie de passer. On va essayer d'aller là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un mec. Ah, d'accord, donc là il y a des mecs, je les écrase, c'est super. C'est qu'il est mon copain. Je fonce dans les cailloux, c'est super. Voilà, vas-y. Allez, crève. Merde, je me suis vautré avec ma bagnole. J'aimerais bien ressortir. Pourquoi je peux pas ressortir? Putain, la vision, elle est à chier. J'aimerais ressortir, s'il vous plaît. Voilà. Merde. C'est quoi, je me gourde tous. Voilà. Là, il y a un caillou.
On va essayer de passer à côté du caillou, voilà. Voilà, on remonte. Et on se retrouve sur la route. De nouveau. Allez. Et ben on va continuer la route. On va y aller là-bas. Je sais pas du tout ce qu'il va y avoir. Ah putain, je me tape tous les cailloux, ma voiture recommence à fumer. Gestion des dégâts. Oh là, il y a tout qui redevient jaune encore une fois. Non, pourquoi ça devient jaune? Et pourquoi c'est jaune? J'essaie de faire demi-tour et non, je peux pas. Il sort de la bagnole et il s'effondre par terre. Oh là là, putain. Et comme par hasard, il ressort sa boîte et comme par hasard, il n'y a rien du tout dedans. Hop là, et on retombe au sol, donc on va retourner à la maison. Pourquoi j'ai atterri là, je ne sais pas. Je vais en profiter pour laisser les 5 minutes de jeu que je vous laisse d'habitude. Je vais les laisser à partir du retour à la maison. Donc c'est parti. C'est pas ton truc de suivre les instructions à la lettre, hein. Peu importe.
possible. Il doit y en avoir plus. Je crois pas, mon ami. Il n'y a qu'un moyen, le pas. De pire. Merde, allez, mec, allez. Et la bataille est là-bas. Touche pas, on garde le flanc. Tu peux te faire coincer. Allez, je reprends ici. De toute évidence, il fallait suivre le chemin qu'il y avait sur le GPS dans la voiture. En fait, si vous sortez du chemin qui est dessiné, vous mourrez. Je sais pas pourquoi, aucune raison. Et là, donc, je suis dans une sorte de camp où c'est qu'il y a plein de bonhommes. Et je vais essayer de pas me faire buter. Ou du moins, pas me faire buter trop vite. Voilà. Donc là, ouais, bon... L'histoire va sûrement se mettre en place petit à petit. Donc là, il y a des bidons. Tiens, je vais taper dedans. Allez. Je tire dedans, voir si ça explose. On sait jamais. Voilà, ça explose. C'est super marrant, ça explose. Ah, plus, il explose beaucoup plus vite, d'ailleurs. Voilà. Il y a sûrement d'autres bonhommes, d'autres trucs à découvrir. Mais on va s'arrêter là. Ça fait déjà 27 minutes. Donc, ce sera tout pour Far Cry 2. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.